n'a pas tiré aller sous TPS là que gain on notice de USCIS de département of homeland security qui t'a fait connaître que yo extend TPS et pour une série de pays jusqu'à 30 juin 2024 jusqu'à 30 juin 2024 que yo extend TPS. Donc c'est sous ça que n'a pas parler aujourd'hui hein. Et puis si gain question, on capable toujours écrire nous, capable toujours poser question. Donc mais d'après communiqué que département de la sécurité voyant de conseil de caisse de TPS qui était involved dans une série de caisses. Donc on pas entrer dans trop de détails là-dedans, mais ça qui est important c'est que puisque gain une série de pays tant que El Salvador, Nicaragua, Honduras, Népal que nous devons aller déjà sous TPS Mounsao qui était en côte côté que tu étais en sorte de est-ce que gouvernement bral extend TPS Mounsao. Donc tu as toute question ça, on va essayer réponse ça que département homeland security bail dans semaine qui sont passé au là côté que yo permettent que tout Mounsao qui gain TPS yo TPS yo extend automatiquement jusqu'à 30 juin 2024. Et puis moun ki te gen Haïti, pour moun haïtien ki te gen TPS de en 2010-2011, TPS yo extend automatically jusqu'à 30 juin 2024. Jusqu'à 30 juin 2024, TPS yo extend. Et puis mais attention. Mais si que ou te gen TPS 2010-2011 ou pat register, ou avait dit que ou pat renouvelé TPS ou. Donc ou gain jusqu'à 3 février 2023 pour faire li one pour capable appeler pour capable éligible pour dans extension 30 juin 2024 là. Et puis pour extension 30 juin 2024 là, pour extension 30 juin 2024 là, ou pas besoin faire rien, ou pas besoin écrire une application, ou pas besoin faire absolument rien, et li automatiquement renouvelé. Donc li automatiquement li renouvelé. Donc qu'on y a question que mon capable poser, on capable poser tête yo, est-ce que qui ça pour me faire si que travail moi mandé question de pour me gon l'autre tipi et est-ce que TPS a renouvelé si travail mando est-ce que pour renouveler TPS là on capable montrer travail là notice ça qui sorti dans USCIS automatiquement avec notice ça. Donc travail la connaît que TPS qu'on gagne dans mon là cadre de travail qu'on gagne dans mon là son cadre de travail qui renouvelé. Donc on y a pigo question que mon a posé on y a c'est moun qui gen TPS qui fait moun qui te fait gen TPS yo là à partir de août 2021 à savoir que nous connaît que dernier TPS qui était bay moun qui était là déjà jusqu'à juillet 2023 pour moun sa ou te appliqué en août 2021 moun sa yo TPS yo a fini le 3 février 2023. C'est en février, 3 février 2023 que TPS là fini. Et moun sa yo poko, yo pa nan automatique, cadre de travail yo pa nan automatique renouvellement sa kap fini jusqu'à 30 juin 2024 là. Donc kon y a toute question, est-ce que TPS qui sorti le qui donc kap fini en février 2023, est-ce que la extend? Donc ça communiqué que au bail pour automatique renouvellement il pas couvert par TPS. Le TPS a pas couvert pour lui. Alors savoir que ça c'est on grand pile confusion en arrière, grand pile confusion. Donc faut pile attention pour le moment, il pas dit absolument rien en ce qui a trait avec TPS qui fait renouveler le qui fait renouveler cap fini en février 2023. TPS a fini en février 2023
yo poko di si TPSA a renouvelé. Donc donc ça c'est distinction pour que nous fait. D'abord que et non et là dans mais pour reprendre bagage ça encore parce que ça son bagage son particulier important que lié. Donc on va t'a nous t'a aimer tout le monde comprendre ni que pas prendre à la. Donc, et nous reprenons encore, avec dit que Gon communiqué que sorti. Dans communiqué ça, il a fait connaître que Gon pile pays qui involve dans TPS. Puisque nous te font aller déjà, te Gon caisse que Gon série de pays qui t'involve, tant que El Salvador, et Nicaragua, Soudan, Honduras, Népal. Donc surtout El Salvador, Nicaragua, Honduras, Népal et pays ça te involve non qu'est-ce que les Ramos côté que gouvernement qu'on a demandé toute question qui était en compte là est-ce que yo capable extend TPS ça puisque Trump président ancien président Trump te venu avec un décret qui vous dit que TPS yo capable TPS yo te terminé donc moun ça au tal en compte là et puis gain que ça toujours dans cours d'appel. Donc nous pas rentrer dans tout détail dans qu'est-ce là, mais département Homeland Security, les prend décision, l'état fait qu'on est que qu'est-ce ça, TPS ça, yo automatiquement extend jusqu'à 30 juin 2024. À savoir que dans même groupe ça, il y a haïtien là dedans tout. Haïtien qui gagne TPS en 2010-2011. Donc yo entré dans automatique extension ça. Ça veut dire que ou pas besoin faire absolument rien. Ou pas besoin faire rien pour capable renouveler quatre travail puisque quatre travail là, il est déjà renouvelé déjà automatiquement jusqu'à 30 juin 2024. C'est quatre travail t'a fini. Yo bay une série de listes pour monde qui besoin make sure qu'on série de listes que yo bay que quatre travail t'a fini pendant période ça. Quatre travaux t'a fini en mars 2000, le 24 mars 2020 ou bien en janvier 2021 ou bien 4 octobre 2021 ou bien 31 décembre 2022 tout quatre travaux ça qui t'a fini dans période ça yo automatiquement renouvelé ou pas besoin faire rien li automatiquement renouvelé jusqu'à 30 juin 2024 OK donc ou pas gagner pour faire mais il faut que ou t'es renouvelé TPS là depuis bien avant. Ça veut dire que sous pas jam te fait il faut qu'on fait ou gain jusqu'à 3 février 2021 pour faire pour capable jouer de extension ça. Mais pour quatre travail capable dans tout temps. Pour quatre travail qu'on est capable extend ou pas besoin faire rien puisque déjà extend. Vous dites 3 février 2023. Jusqu'à 3 février 2023 pour faire li, pour que 4 là, si que ou pas déjà renouvelé TPS ou déjà. Ok, on va déjà renouveler 4 travail TPS. Donc, okay. Donc, avait dit que pour 4 travail ça, ou pas besoin de faire absolument rien, li déjà renouvelé pour 31 juin 2024. Mais, et c'est là que il y a un pire d'achoppement. Vous savez que c'est pour moun. Qui était fait gen TPS yo en février là avec dit que moun qui était fait gen TPS yo dernièrement là à savoir que et plein moun qui gen TPS yo pendant période ça qui t'applique pour TPS qui même beaucoup gen TPS à tout à savoir que moun sa qui était dans pays en 2021 avec dit que qui était prend TPS en 2021 qui était là le 29 juillet 2021 qui était supposé appliquer à partir de août 2021 moun sa yo TPS la l'a fini le 3 février 2023 moun sa yo li pa couvri pa communiquer ça sa. Savoir que nous poko konnen ki le TPS a ap extend c'est ça gen toute différence là nous poko konnen ki le TPS a ap extend avec dit que
communiquer ça, li pas clair, li pas dit absolument rien sous TPS ça qui a fini le 3 février 2023. Ça veut dire moun sa yo, ça va veut dire avec que pas prendre en confusion pensant que TPS va aller automatiquement renouveler jusqu'à même j'ai l'autre moun yo jusqu'à 30 juin 2024. Donc si gen question, donc à briller office là dans 617 448 60 37 Brenville Law Offices. Encore une fois, donc et un disclaimer, programme ça, son programme d'éducation, c'est pas programme qui là qui vous bon conseil légal. Sous besoin conseil légal, relez cabinet à dans 617 448 60 37 ou bien relez office là tout dans le numéro 781 961 69 70. Merci. Pierre Richard, vous avez la parole. Et donc, mais on met la...